Eh bien, bonsoir tout le monde, c'est Picabase. Aujourd'hui, on se retrouve avec la chute d'une crypto-monnaie dont j'ai oublié le nom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale sans abonnés. Putain, on l'a fait, Quentin. On a réussi, bordel de merde. On a réussi à atteindre ces putains de 100 abonnés. Merci, merci à vous, merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos, qui se sont dit putain, mais ce mec est incroyable. Et vous avez raison. N'empêche qu'il reste quand même 3 à 80% de non-abonnés qui regardent mes vidéos. Alors, Quentin, tu vas prendre ton putain de curseur, tu vas rétrécir la vidéo, tu vas cliquer sur le bouton s'abonner. Tu vas cliquer sur la cloche, tu vas cliquer sur le like, et pour te faire pardonner, tu vas cliquer sur partager, putain. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, quoi de mieux pour fêter les 100 abonnés que retourner aux sources. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais ma toute première vidéo, c'est une vidéo sur une survie Minecraft complètement vanilla, où je redécouvrais Minecraft. Souvenez-vous, bordel de merde. Et si tu faisais pas une vidéo sur Minecraft? Je me rappelle plus du tout de ce monde champignon. Est-ce que bah je pense qu'il faut survivre. Mais ça donne rien. Oh là là, où est-ce que je suis atterri là d'un coup? Et je me suis dit quoi de mieux que de retourner aux sources pour la vidéo spéciale sans putain d'abonnés de merde, Quentin. Alors aujourd'hui on va faire une aventure complètement vanilla, sans mode, sans rien du tout. On va essayer de ne pas mourir, car si on meurt, on arrête la putain de vidéo de merde. Ok, donc on va retourner, on est dans la dernière version, ou plutôt dernier snapshot, hein, comme dirait Mojang. Hein Mojang, vous sentez stylé en parlant en anglais, bande de bâtards? Ça se trouve, il y a le nouveau truc de merde là qu'ils ont rajouté sur ce putain de Minecraft. Hop, on a découpé. Oh putain, il y a un putain de village là-bas. Moi je vous le dis, je me suis giga amélioré depuis la toute première vidéo de cette putain de chaîne, et on va détruire le l'Under Dragon Wither squelette rouge. Est-ce que y a pas le saut automatique? Y a pas le saut automatique. Bravo Mojang, vous avez compris de vos erreurs, je suis fier de vous putain. En tout cas, je suis quand même plus à l'aise que durant la première vidéo. Dans ma première vidéo, on aurait dit que mes parents dormaient à côté de moi, alors que pas du tout hein, vraiment j'étais tout seul, mais j'étais en mode j'ai peur. Ta gueule putain, Picabase, prends tes couilles et peur. Hop, ça c'est à moi, perquisition. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, espèce de sale bâtard? Ah putain, non mais ça par contre. Non mais vous voyez bien qu'il y a un problème de construire une maison à côté d'un arbre. Mais merde, qui a fait pousser cet arbre de merde? On a des pommes, du pain, des patates. Ouais, mais attendez. Ah mieux, bah voilà, bah non mais voilà, je le dis tranquille. Encore un. Oh, on a de l'emeralds, let's go. Ça, ça fait plaisir, on va pouvoir trade avec les villageois, ça serait cool. Est-ce qu'il n'y a pas un villageois pas loin? Il y avait l'autre là. Salut mon pote, qu'est-ce que tu vends? Oh, et bah écoute, par pur bonheur, on va te prendre ça. Let's go. Alors, est-ce qu'on a pas fait un trade avec un villageois dès le premier début du jeu? Let's go. Des briques. T'es sérieux, moi? T'es sérieux? Je vais te tuer, tu mérites la mort, espèce de sale bâtard. Ok, ici on a un petit camp. Oh là là, mais voilà, voilà. Hop là, est-ce qu'on est pas incroyable comme ça? On continue un peu de piller allègrement ce village. Hop là, qu'est-ce qu'on a là? Encore de l'émeraude, mais toujours plus. Les patates, franchement, c'est cool, ça va nous permettre de nous nourrir de telle manière à ne pas. Oh putain de merde, nique sa mère, putain, mais voilà, mais quel con, j'aurais jamais dû taper ce villageois, la con. Il a appelé son grand frère, c'est putain de WHD. On va trouver une solution, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va fuir de manière chevaleresque. Oh putain de sa mère, il m'a fait peur. Quoi? Même ça, fils de pute. C'est pas du tout passé comme prévu, mais c'est pas grave. On me laisse une autre chance au moins pour la vidéo des 100 abonnés, hein. Je suis quand même fort sur Minecraft, je vous promets même. Putain, mais quelle merde quoi. Pourquoi je me mets toujours dans des emmerdes comme ça? Voilà. Picabase n'apprend jamais de ses erreurs. C'est ça qu'on va apprendre durant la vidéo sans abonnés. Bordel de merde. Oh putain, y'a un petit enfant. Toi qui vas mourir brûlé dans le feu. Dès que je reviens là, cet endroit, ça va devenir des putains de cendres, ok? C'est bon? Ok, ok, c'est bon. Oui, je ne fais que passer, monsieur. Quelle merde, quoi. On se fait déjà niquer notre race dès le début du jeu. La putain, ça va pas le faire. Ah, la nuit commence à tomber. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller se faire une petite maison? Joli endroit pour dormir. Hein. Vraiment, c'est bien isolé. C'est vraiment pas mal. Hein. Oh bah, il pleut en plus. Non, mais voilà. Vas-y, chie-moi dessus, Minecraft. Vas-y, t'as vu ça? Est-ce que tu trouves ça admissible, hein? Est-ce que tu trouves ça admissible? Mais au moins, d'essayer de miner le charbon que j'ai vu sur les parois de la montagne. Non mais regardez comment je parle bien, j'ai utilisé le mot paroi. Non mais vous voyez comment ça se passe maintenant, les aventures survie. Avant, Picabase il mourait tout le temps. Bon, c'est pas comme si ça venait d'arriver tout à l'heure, mais bon voilà, ferme ta gueule Quentin. Allez voir comment on va survivre ici. On ne mourra pas par un putain de creeper ou un putain de squelette. On a 11 de minerais de charbon, c'est vraiment pas mal hein. C'est, on est bien. Attends, il y en a un. C'est pris pour qui? C'est pris pour Dieu celui-là, il se croit au-dessus de tout le monde. Là en plus on a récupéré de la pierre, ça nous permet de faire du stuff en pierreux. Et puis on va dessus se
se rediriger vers notre camp de base, hein, qui est le village, quoi, finalement. Bon, voilà, c'est une vraie aventure de fou furieux malade. Ça peut durer 10 épisodes, comme 20 putains de secondes. Oh, il y a un putain de portail là-bas. Ça, c'est pas mal, ça, franchement. Eh, est-ce qu'on serait pas un peu des fous, putain? J'ai déjà plus rien à bouffer, non, mais c'est bon, quoi. Manger du pain, manger, oui, oui, baguette, je suis français, monsieur le villageois. Moi, je suis un français, je suis pas comme vous, hop là. On va aller voir tout de suite le portail, qu'est-ce qu'il cache comme secret. Est-ce qu'on va pouvoir aller dans le Nézé ou bien autre part dans le monde diabolique de Minecraft? Il y a des grosses montagnes, à mon avis, dans ces montagnes-là, on va pouvoir trouver des trucs qui s'appellent des grottes. Et dans ces grottes, il y a des trucs qui s'appellent le charbon. Ou en or, une pelle et des bottes en or, semelle givrante. Oh, attends, semelle givrante, ça crée de la glace. Oh, mais c'est incroyable! Mais putain, mais Minecraft, c'est le meilleur jeu du monde! Je suis Jésus, je marche sur l'eau! Incroyable, incroyable, j'adore ce jeu. Putain, mais c'est incroyable, je peux ne pas me soucier de marcher sur l'eau. Mais c'est quelque chose d'incroyable quand même! Là, il y a une grotte juste là. Ça, c'est du pain béni pour le jeune héros. Pique à base, j'arrive, tel Link qui va ravager le Ganon là, tu sais, le boss là. C'est pas une grotte et en plus, il y a rien. Non, mais c'est plus décevant la prochaine fois, merde! Ah, pour la paix. Oh! Attends, mais j'ai été médisant! Il y a une putain de grotte, mais tu vas quand même y passer, sale poule de merde! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, c'est pas du tout une grotte, c'est juste un putain de chemin à la merde. Là, on a peut-être quelque chose là, non? Oui! Du charbon! Ça fait toujours plaisir car nous sommes au début du jeu! Oh, mais attendez, ce chemin suspect cacherait-il des secrets terribles? Non, me dis pas que c'est le même chemin de tout à l'heure là. Mais putain, mais ce monde est lié par la merde! Ah, quoique, on s'enfonce dans les méandres de Minecraft. Un zombie! Le premier affrontement de la partie! Allez! Allez, viens te battre, espèce de petit. Aïe! Non, me prends pas dans un coin comme ça. Oh, attends, y a un truc intéressant là. Oh putain, j'ai failli me péter la gueule! Hop là! Y'a du fer! Oh mon dieu, c'est un miracle de l'eau! Oh là, mais regardez-moi ça, on a du putain de fer! Let's go! Rien ne s'est jamais aussi bien passé dans une vidéo de Picabas! Là, un pont pour accéder au fer! Et le fer qui est mien! Oh putain de merde, j'ai failli me péter la gueule. On va remonter, hein, on va essayer. En tout cas, on est de retour dans le monde de Minecraft. Regardez-moi la vitesse de creusage. Hop là, et il fait nuit. Il fait nuit noire. On va essayer de vivre tranquillement. Oh putain, il y a putain d'Enderman. On ne le regarde pas droit dans les yeux. On les laisse tranquilles. Oh putain, oh j'ai failli. Oh là 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 là. Oh bordel. Hop là. Pika base là, l'embrouille. Non. Pas bien, on va essayer de passer outre les ennemis. On dégage vite. Oh, mais c'est un viol. Mais ça va pas là. Oh non. Mais nique ta mère, squelette à la con. Mais voilà, quand Picabay essaie de sauver, je meurs à chaque fois. Voilà, elle est belle, votre vidéo, les 100 abonnés. Voilà, bonjour, n'hésitez pas à vous abonner. Merde. Bon, petit discours un peu émotionnel sur la vie de Picabay, putain, à la fin de la vidéo, car j'ai complètement oublié d'enregistrer ce moment, putain. Merci encore une fois de vous être abonné. Aujourd'hui, on est au 100, et qui sait, peut-être que plus tard, on sera encore plus nombreux. C'est incroyable, on est au 108 abonnés, si je ne me trompe pas. En tout cas, je voulais vous redire merci beaucoup pour tout le soutien, que ce soit les vues, les abonnements, les partages aussi, les likes, etc., les commentaires. C'est un très gros soutien pour la toute petite chaîne que je suis dans le vaste océan de putain de pointeur. En tout cas, j'espère que cette vidéo des 100 abonnés vous aura plu. Voilà, j'espère que ça vous a fait rire, quoi. Merde. En tout cas, je voulais vous dire vraiment 100 fois merci pour tout ce que vous avez fait. J'espère que mes vidéos vous divertissent toujours autant. Et on continue le petit rythme d'une vidéo chaque semaine le dimanche. En tout cas, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, ça vous connaissez. Et on se dit à la semaine prochaine. À plus. Et comment toi, tu veux t'abonner, merde.